Alléluia. Yamba loyimbo mutema. Zwa loyimbo ya mutema. Ibonza na pesi na yonkolo. Misama yawe. Zwa loyimbo ya mutema. Ibonza na pesi na yonkolo. Sama yawe kimbweza iya yo ibonza na pesi na yokolo sama yawe kimbweza iya yokolo ibonza na pesi na yokolo sama yawe Nani oya kufelanga Ati kankembo nani kolo Izali o Yesu est intitulé les deux sortes de foi. Vous savez, dans la Bible, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est quoi? La foi naturelle est une foi par laquelle l'homme croit lorsqu'il voit la chose. Et s'il ne voit pas la chose, il ne peut pas croire. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, elle est rationnelle. La foi naturelle, elle est logique. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la foi naturelle. C'est cette foi-là, Jésus reproche à Thomas, disant Thomas, Thomas, errez l'homme qui croit sans voir. Parce que Thomas, lui, il voulait voir la personne de Jésus. Lorsque Thomas a appris que Jésus était ressuscité, Thomas ne croyait pas à cela. Thomas dit que je croirais que Jésus est ressuscité lorsque je verrai moi-même, dans mes propres yeux, sa personne. Et la Bible me dit, lorsque Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples, Thomas a cru en Jésus. Et Thomas reproche à, et Jésus reproche à Thomas, et Thomas, errez l'homme qui croit sans pourtant voir. Thomas avait la foi naturelle. Et c'est cette foi-là aussi, Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Marcher par la vie, c'est marcher par la foi naturelle. Praise God, hallelujah. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ne croient pas à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Plusieurs gens aujourd'hui qui se disent athées ne croient pas à la personne de Dieu parce que Dieu est invisible. Pour eux, comme Dieu, on ne les voit pas, cela signifie qu'ils n'existent pas.
Ça, c'est la foi naturelle. Praise God, hallelujah. Vous savez, la foi naturelle croit aussi que l'homme peut être guéri sans pourtant prendre les médicaments. Vous savez, l'homme en lui, il a des globules rouges et des globules blancs. Et les globules blancs sont là pour lutter contre toutes sortes de microbes qui attaquent les corps de l'homme. Et les globules blancs sont là pour faire les défenses, pour tuer ces microbes. Donc ça peut arriver, l'homme est guéri sans pourtant prendre les médicaments. D'une façon rationnelle, cela est normal. Les gens qui marchent par la foi naturelle croient ces choses. Mais la foi naturelle croit aussi qu'il y a des maladies qui sont curables et des maladies qui sont incurables. Ça, c'est dans la foi naturelle. La foi naturelle ne croit pas à la résurrection des morts. Praise God! Pourquoi? Parce que quand l'homme est mort, son corps se décompose. Alors, la foi naturelle ne croit pas que cette personne peut revivre encore. Parce qu'un corps décomposé ne peut pas se recomposer. Ça, c'est la foi naturelle. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la première foi. Donc, la foi naturelle est une foi par laquelle l'homme croit lorsqu'il voit la chose. S'il ne voit pas la chose, il ne peut pas croire. La foi naturelle à ses limites. La foi naturelle est rationnelle. La foi naturelle est logique. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la première sorte de foi. Et la deuxième sorte de foi, c'est la foi surnaturelle. Et dans la foi surnaturelle, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. Je reprends, dans la foi surnaturelle, nous avons deux sortes de foi surnaturelles. Nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. Alors nous allons commencer par la première foi, la foi qui vient de la parole de Dieu. Donc nous allons lire Romains chapitre 10. Verset 17. Romains 10, 17. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est la première foi. La foi qui vient de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui produisons la foi. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Ce n'est pas nous qui produisons la foi. Praise God, hallelujah. La foi qui vient de la parole de Dieu. Nous allons encore lire un passage, c'est dans Romains. Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit
à chacun de vous de m'avoir pas de lui-même et de trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous savez, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné la foi. Dieu a départi dans la vie de chaque chrétien la foi. Ce n'est pas nous qui avons produit la foi, mais c'est Dieu qui nous a donné la foi. Quand est-ce que Dieu nous a donné la foi? Dieu nous a donné la foi les jours où nous avons écouté sa parole. C'est cette parole qui a donné la foi. C'est cette parole qui nous a donné la foi. Écoutez, tous les chrétiens ont la foi. Tous les chrétiens ont la foi. Vous savez, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné, nous tous, la même mesure de foi. Personne n'a reçu une foi supérieure par rapport à l'autre. Dieu nous a départi la même mesure de foi. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, la foi surnaturelle, c'est cette foi-là dont l'Épître aux Hébreux nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire ça. Hébreux chapitre 11, verset 1. Premier Épître aux Hébreux, chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand est-ce que nous avons reçu cette foi? Nous avons reçu cette foi les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, Dieu nous a donné la foi. C'était ces jours-là, nous avons reçu la foi qui vient de la parole. Je reprends encore, très chers téléspectateurs, ce n'est pas nous qui produisons la foi, mais c'est la parole qui nous donne la foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Praise God. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui nous donne la foi. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, la Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains, je vais encore lire Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, 3. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné, nous tous, la même mesure de foi. Personne n'a reçu la foi supérieure par rapport à l'autre. Personne. Mais qu'est-ce qui se passe, très chers téléspectateurs? Cette foi que Dieu nous a donnée, c'est à nous de les développer. C'est à nous de les faire grandir. Ici, je suis dans la dimension de la foi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont la grande foi, les gens qui ont la petite foi et les gens qui ont une forte foi.
nous avons une forte foi, une grande foi et une petite foi. Et c'est la responsabilité de l'homme de les faire grandir. La foi grandit. Praise God, hallelujah. La foi grandit. La foi grandit, très chers téléspectateurs. Nous allons lire un passage biblique. Praise God, hallelujah. Un passage très important. Praise God, des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Épître aux Thessaloniciens. Praise God, hallelujah, hallelujah. Épître aux Thessaloniciens. Épître aux Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Chapitre 1er, verset 3. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Parce que votre foi fait des grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. J'ai relis, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La foi fait des progrès, la foi grandit, et cela est la responsabilité de l'homme. C'est notre responsabilité. Dieu nous a donné la foi. C'est à nous de les faire grandir. Quand est-ce que Dieu nous a donné cette foi? Dieu nous a donné cette foi les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là Dieu nous a donné la foi. Alors notre responsabilité, c'est de les faire grandir. Et comment est-ce que la foi grandit? La foi grandit lorsque on écoute la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Seulement la parole qui fait grandir la foi. Celui qui écoute peu la parole de Dieu, sa foi ne grandira jamais. Celui qui écoute beaucoup la parole de Dieu, sa foi grandira. Sa foi deviendra grande. Sa foi deviendra forte. La Bible nous dit qu'Abraham avait une forte foi. Abraham avait dépassé le niveau de la grande foi. La foi, Abraham a atteint les hauts niveaux de la foi. La Bible nous dit qu'Abraham avait une foi forte. La foi devient forte lorsqu'on écoute la parole de Dieu. La foi devient grande lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Les signes qui montrent que la foi de celui-ci ou de celle-ci grandit, c'est l'amour. C'est l'amour qui démontre les niveaux de la foi. Je reprends, c'est l'amour qui démontre la dimension de la foi d'une personne. La foi grandit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de choisir
là où il faut aller écouter la parole de Dieu. C'est très important. La foi grandit lorsque tu écoutes la parole de Dieu. La foi grandit lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu qui fait grandir la foi. Oh, je vais relire ce passage des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, parce que votre foi grandit. La foi grandit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Lorsqu'on n'écoute pas la parole de Dieu, la foi ne peut jamais grandir. Ça ne grandira jamais. C'est la parole de Dieu qui fait grandir la foi. Celui qui écoute peu la parole de Dieu, sa foi ne grandira pas. Celui qui écoute beaucoup la parole de Dieu, sa foi grandira. Et il va atteindre les sommet de la foi, la forte foi. C'est cette foi-là qu'Abraham avait. Praise God, hallelujah. Vous savez, un jour, je parlerai sur la forte foi, une foi forte. La parole de Dieu, la foi qui vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la première sorte de foi surnaturelle. Vous savez, je peux vous dire encore une chose, très chers téléspectateurs, vous savez, la foi qui vient de la parole, cette foi-là, on les stabilise. La foi qui vient de la parole de Dieu, si cette foi-là ne grandit pas, cette foi peut se perdre. Vous savez, il y a plusieurs gens qui ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la petite foi. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, saisis la foi, saisis la vie éternelle. La foi qui vient de la parole, cette foi-là, on peut le perdre si elle ne grandit pas. Et la foi qui vient de la parole de Dieu, on peut aussi les stabiliser. On peut les rendre stables. Praise God, hallelujah. Alors comment est-ce qu'on peut stabiliser la foi? On stabilise la foi lorsqu'on prie en langue. Vous savez, la prière en langue est très importante dans la vie d'une personne. Plusieurs gens négligent la prière en langue. Plusieurs chrétiens n'aiment pas prier en langue. La prière en langue est très importante dans la vie d'une personne. C'est la prière en langue qui stabilise la foi. Nous allons lire ça, c'est Jude. Jude chapitre 20. Et plutôt Jude verset 20. Parce que l'épître de Jude a un seul chapitre. Donc nous allons lire les versets 20. Jude 20. Jude. C'est Jude après Apocalypse. Praise God, hallelujah. Jude. Que nous dit la Bible? Pour vous bien-aimants, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Je relis. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La prière en langue
stabilise la foi. La prière en langue stabilise la foi. Lorsqu'il y a un problème qui dérange ta vie, lorsqu'il y a un problème qui fait troubler votre foi, commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Et tu verras que ta foi deviendra stable. La prière en langue stabilise la foi. La prière en langue rend la foi forte. N'ayez pas honte de prier en langue. N'ayez pas honte de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu nous aide à nos faiblesses parce que nous ne savons quoi prier, parce que nous ne savons quoi demander à Dieu. Et quand est-ce que le Saint-Esprit prie à notre place? Lorsque nous prions en langue. Le Saint-Esprit utilise notre bouche, mais c'est lui qui met des paroles. La prière en langue est très importante dans la vie d'une personne. La prière en langue stabilise la foi. Praise God, hallelujah. Donc, la foi qui vient de la parole de Dieu, cette foi-là, nous l'avons récit les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont la foi. Dieu nous a donné la même mesure de foi, nous tous. Mais c'est à nous de les faire grandir. C'est à nous de les développer. La seule façon on peut développer la foi, c'est en écoutant la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la vraie parole de Dieu, je dis bien la vraie parole de Dieu, tu peux aller chaque jour en église, mais lorsque tu n'écoutes pas la vraie parole de Dieu, ta foi ne grandira jamais. Praise God, hallelujah. Elle ne grandira jamais. La foi peut être forte. La foi peut être grande. La foi peut être aussi petite. C'est la parole de Dieu qui fait grandir la foi. Et la seule chose qui montre que la foi de celle-ci ou de celui-ci grandit, c'est l'amour. Ton degré de l'amour détermine la dimension de votre foi. Je reprends. Ton degré de l'amour détermine la dimension de votre foi. Petit amour, petite foi. Grand amour, grande foi. Fort amour, forte foi. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'amour marche de pair avec la foi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Alors, la deuxième sorte de foi surnaturelle. La deuxième sorte de foi surnaturelle, c'est les dons de foi. C'est les dons de foi. Les dons de foi est différent de la foi qui vient de la parole de Dieu. Les dons de foi, c'est l'onction de la foi. Et c'est
Dieu qui donne ça. Nous allons lire ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit, et à l'autre la foi par le même Esprit, à l'autre les dons de guérison par le même Esprit, 10. À un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 9, à un autre la foi. Les dons de foi est différent. De la foi qui vient de la parole de Dieu. Je reprends. Les dons de foi est différent de la foi qui vient de la parole de Dieu. Les dons de foi est une capacité que Dieu donne à quelqu'un. Mais les dons qui viennent de la parole, là plutôt la foi qui vient de la parole de Dieu, cette foi-là, on les reçoit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Mais les dons de foi, c'est le Saint-Esprit qui les donne, sans pourtant écouter la parole de Dieu. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un. Je reprends pour une meilleure compréhension. Les dons qui viennent de la parole de Dieu, plutôt la foi qui vient de la parole de Dieu, est une foi l'homme reçoit lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Mais les dons de foi, c'est Dieu qui donne ça à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui donne ces dons à quelqu'un, sans pourtant écouter la parole de Dieu. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un. Vous savez, quelqu'un qui a les dons de foi, il n'a pas peur des obstacles. Quelqu'un qui a les dons de foi, il a un langage positif. Quelqu'un qui a les dons de foi, il ne change pas sa position. Quelqu'un qui a les dons de foi, là où il y a les ténèbres, il ne dira pas les ténèbres, il dira la lumière. Vous savez, la Bible nous dit, lorsque Dieu créa le monde, la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres dans toute la surface de la terre. Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Ça c'est le don de foi. Jésus, pour aller guérir Lazare, pour aller ressusciter Lazare, on dit à Jésus que Lazare est mort. Jésus a dit non, il dort. Mais Jésus savait que Lazare est mort. Les dons de foi. Quelqu'un qui a les dons de foi, il ne change pas son langage. Les dons de foi
est aussi appelée la foi de Dieu. Les dons de foi est aussi appelée la foi de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit « Ayez la foi en Dieu ». Non. La vraie traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu ». La foi de Dieu, c'est quoi? La foi de Dieu, c'est d'appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Ça, c'est la foi de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. La foi de Dieu, c'est appeler des choses qui n'étaient pas en existence pour que ces choses existent. Ça, c'est la foi de Dieu. Vous savez, Jésus était parti dans une ville. Et en route, ils ont vu un figuier. Et comme le figuier ne produisait pas de fruits, la Bible nous dit Jésus a maudit le figuier. Et à leur retour, Pierre a regardé le figuier. Et le figuier était sec. Pierre dit à Jésus, non, Jésus, regardez les figuiers qui étaient amondis et séchés. Jésus a dit quoi à Pierre? Il faut avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est ça. Les dons de foi. Vous savez, parmi les dons que Paul recommande aux chrétiens de s'assurer, nous devons aussi aspirer à ces dons, les dons de foi. Nous devons aspirer à ces dons. Les dons de foi est différent de la foi qui vient de la parole de Dieu. Praise God. Alléluia, praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, quelqu'un qui a les dons de foi, même s'il marche à la contre de la parole de Dieu, ce don-là va toujours fonctionner. Parce que Dieu ne retire pas quelque chose quand il les donne à l'homme. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne peut pas le retirer. Praise God, hallelujah. Nous allons lire un passage, c'est Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne serait pas papa de ses dons et de son appel. Dieu ne serait pas papa de son don et de son appel. Quand Dieu te donne les dons, quand Dieu te fait grâce, il ne peut pas les reprendre. Il ne peut pas les reprendre. Quelqu'un qui a les dons de foi, même s'il fait les bêtises, les dons vont commencer toujours à fonctionner. Et c'est par là où Salomon dit « la grâce est trompeuse ». La grâce peut te tromper. L'onction peut être toujours là. Mais avec ton onction, tu es écarté dans la voie de Dieu. C'est très important. Dieu ne serait pas papa de son don et de son appel. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, les dons peuvent s'affaiblir. Les dons peuvent s'affaiblir.
Et quand les dons s'affaiblissent, tu peux les ranimer. Les péchés peuvent s'affaiblir, les dons. La colère peut s'affaiblir, les dons. Vous savez, les prophètes Élisée, la Bible nous dit, il s'est fâché devant les rois. Il ne voulait même pas voir les rois. Les dons qu'il avait s'est affaibli. Et la Bible nous dit, Élisée a recommandé la musique. Et quand la musique a commencé, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa. Donc les dons peuvent s'affaiblir, mais on peut les ranimer. La seule façon qu'on peut réanimer les dons, lorsqu'on fait la confession. Et lorsque tu te détournes de la mauvaise voie, ton don peut être réanimé. Praise God, hallelujah. Les dons de foi. Donc pour clôturer, ou pour faire une petite synthèse, donc nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle est une foi par laquelle l'homme croit lorsqu'il voit. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi surnaturelle est une foi par laquelle l'homme croit avant de voir. Et c'est cette foi-là, l'Épître aux Hébreux nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans la foi surnaturelle, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi qui vient de la parole de Dieu et les dons de foi. Et la foi qui vient de la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit cette foi, et nous avons aussi la capacité de faire développer cette foi, de faire grandir cette foi. Et la foi grandit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Et la seule chose qui montre que la foi de celle-ci ou de celui-ci grandit, c'est l'amour. Ton amour détermine la dimension de votre foi. Petit amour, petite foi. Grand amour, grande foi. Très forte amour, très forte foi. Et dans la foi surnaturelle, nous avons les dons de foi. Les dons de foi est une capacité que Dieu donne à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.